commence par dire merci à ce Dieu grand qui a permis que nous puissions nous tenir devant lui pour parler de sa part. Je me nomme pasteur Jean Gundouani, je suis pasteur de l'église de la repentance de l'évangile du 21e siècle, en sigle Ereva 21, qui se trouve dans le quartier de Bonhomme, sur l'arrêt Macrevette, 3e rue, numéro 176. Alors c'est là que je suis berger. Et Dieu permet à ce que je puisse vous parler de sa part à tous les bien-aimés téléspectateurs dans le monde entier, car c'est cette parole qui a créé le monde et tous ses habitants. Alors le sujet que Dieu me met à cœur pour vous parler aujourd'hui s'appelle la violence. La violence dans la parole de Dieu. Alors nous allons trouver cette parole écrite, la violence est écrite dans le livre de Luc au 16e chapitre, verset 16, si je peux lire. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Chacun use de violence pour y entrer. Nous pouvons dire Amen. Alors ici, c'est Jésus lui-même qui a parlé. Il a parlé quoi? La loi. En disant la loi, c'est-à-dire il a commencé par Moïse. C'est Moïse qui a amené la loi. Alors la parole de la loi de Moïse qui a commencé du temps de Moïse et a continué jusqu'au temps des prophètes. Les prophètes ont existé dans le temps passé, que ce soit la loi qui était considérée par l'apôtre Paul comme un pédagogue qui conduisait les gens à la grâce que Jésus-Christ. Ici, Jésus dit que ils ont la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Et alors, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'aujourd'hui, Jésus dit, le royaume de Dieu est annoncé. Et est annoncé à tout le monde, noir, blanc, jaune, qui habitait partout dans le monde, dans tous les coins du monde. Nous pouvons nous dire que non, l'Amérique s'est éloignée, l'Europe, tout ça. Or, devant Dieu, Dieu voit le monde entier comme une gouttelette d'eau dans un seau. Et cette parole est annoncée à tous qui habitent la face de la terre, y compris vous qui êtes près et vous qui êtes éloignés. Le royaume de Dieu est annoncé. Alors, quiconque attend cette parole, Dieu l'attend afin qu'il fasse violence pour s'emparer de son royaume. En parlant de la violence, nous allons dire quelques exemples. L'exemple de violence a commencé à l'Ancien Testament, au livre de 2 Rois, chapitre 5. Là, nous allons trouver un homme. La Bible l'appelle le chef militaire, c'est-à-dire un général, Syrien. La Bible le vante, c'était un homme fort, un homme vaillant. Par lui, l'Éternel avait fait de grandes choses. Et la Bible ajoute que cet homme fort et vaillant, il était lépreux. Il était lépreux. Malgré sa force, malgré sa vaillance, malgré tout ça, il était lépreux. Dans l'ancien temps, la lèpre, c'était une maladie. Et quiconque en Israël était atteint de cette maladie, il était obligé de quitter. Là où les gens sont, là où les siens y sont, là où les siens habitent, on va l'isoler. Les Européens sont venus créer des lieux qu'on appelle les léproseries. Et les léproseries, c'est toujours hors de la ville. Alors cet homme en Syrie, qui est contrairement à Israël, il devait être mis en caractère. Mais en Syrie, il jouissait, la Bible dit, la grande faveur de son maître. Mais il y avait quelque chose qui le rongeait le cœur. Qu'est-ce qui le rongeait le cœur? Sa maladie. Alors un jour, la petite fille que nous déconsidérons, les femmes, tout ça, elle était une petite fille qui a été faite esclave par lui, le grand général.
Et c'est alors que la petite fille va dire à sa maîtresse, « Oh, suis mon Seigneur, le roi était en Israël, chez le prophète d'Israël. Le prophète le guérirait de sa lèpre. » Il a entendu la parole, il a entendu le message, il a entendu la bonne nouvelle. Alors, voyez comment est-ce que cet homme a fait violence. Quand sa femme lui a rapporté la parole de la jeune fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Le général est allé voir le roi, parler au roi. C'est la violence. Qu'est-ce que le roi a fait? Le roi n'a pas croisé le bras. Le roi s'est mis à écrire une lettre. Le roi a écrit une lettre, va chez le roi de Samarie, le roi d'Israël, donne-lui cette lettre. Et dès qu'il va recevoir la lettre, il saura que c'est moi, le grand roi, qui lui envoie mon serviteur, afin qu'il soit curé de sa lèpre. Le général a fait violence. Il a pris ses élites, ses chars, il a pris des habits, il a pris de l'or, il a pris de l'or et des choses précieuses qu'il s'est mis en voyage. Un lépreux qui va voyager, imaginez Syrie et Israël, c'est à peu près combien de kilomètres? Il va faire ses voyages et dès qu'il est arrivé en Israël, il va voir le roi. Quand le roi l'a reçu et le roi a lu la lettre et la Bible dit, le roi déchira ses mantes, déchira son vêtement. Et Élisée, l'homme de Dieu qui était là, quand il a entendu que le roi avait déchiré son vêtement, Élisée a fait la violence. Il envoya le message et dit à roi, pourquoi roi as-tu déchiré ton vêtement? Toi, tu habites en Israël. Tu ne sais pas que Dieu est en Israël. Tu ne sais pas que le prophète de Dieu est dans la ville. Tu ne sais pas que Dieu lui a doté de toutes les capacités de guérir même le lépreux. Laisse Naaman venir chez moi. Et Naaman était allé voir le roi. Il a quitté chez le roi. Il va chez le prophète. Tout ça, c'est quoi? C'est de la violence. Écoutez, il a entendu la parole. Il a fait violence. Allé voir le roi. Il a fait violence. Il a voyagé. Il est allé voir le roi d'Israël qui ne l'a pas reçu convenablement tant que l'envoyé de son collègue, le roi, bien que ça, la violence c'est quoi? J'ai souffert pendant des années de ma lèpre. Il faut que je trouve la solution. Se déterminer à trouver la solution de sa maladie. Et quand il est arrivé chez le prophète lui a envoyé un messager. Va te jeter 7 fois dans le fleuve Jourdain et tu seras guéri. La violence, en général, il va s'arrêter, il compare les eaux de Damas, qui sont très claires, qui sont très propres à l'eau de Jourdain, qui n'étaient même pas convenables plus que cela. Il va comparer, mais la violence de trouver sa guérison, la violence de trouver son salut, l'a poussé à aller avec tous les petits militaires qui l'accompagnaient là, devant eux. S'est déshabillé et plongé 7 fois dans l'eau. Si quelqu'un n'est pas violent, il ne peut pas faire ça. Il va souffrir des complexes, sinon ces petits gardes de corps me verront, ils vont se moquer de moi. Tant pis leur moquer, ils ont beau se moquer de lui, ça n'a pas changé. Les gens ont fait des éloges. Tous les éloges n'ont pas changé la vie du général. Alors le général violent, il s'est décidé de se plonger 7 fois. Et à la 7e fois, la Bible déclare, il sort de l'eau, tous ses corps, il est devenu comme un petit enfant. Il fut purifié. Et là, le roi, reconnaissant qu'il est, il n'est pas reparti tout de suite chez lui. Il est rentré chez le prophète et va dire au prophète, va apporter ses cadeaux au prophète que le prophète avait nié. Aujourd'hui, combien de prophètes qui accueillent des cadeaux par-ci, par-là, à cause du service rendu. Le service rendu là, ce n'est pas toi qui as rendu, c'est Dieu qui a rendu le service pour sa gloire, afin que son nom soit publié de par la terre. Bien-aimés, comprenons ce que nous faisons. Le général était rentré très joyeux, il a retrouvé la santé, il était guéri, complètement guéri, et la peau de son corps était devenue comme la peau d'un petit enfant. Oh, gloire à Jésus. Il a fait la violence.
Combien de gens sont atteints de diverses maladies, qui sont en train de mourir dans leur maison, dans des coins par-ci, par-là, sans espérance. Les médecins, ils ont côtoyé les médecins, ils n'ont pas eu de salut, ils sont passés par-ci, par-là, ils n'ont pas de suite. Mais pourquoi ils tardent-ils à venir chercher ce Dieu qui est vivant, le Dieu qui est vivant, le Dieu qui agit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui transforme, le Dieu qui restaure, le Dieu qui régénère. Il est vivant, bien-aimé. Ne perdez pas l'espoir. Pour vous qui êtes abattus de par le monde, sachez que un Dieu vivant est au milieu de nous. Il est vivant et il fait des grandes choses. Cherchez-le et vous allez le trouver. Si nous pouvons passer au deuxième exemple dans le livre de Marc, chapitre 5. Nous allons lire là-bas une femme. La femme a souffert pendant 12 ans atteinte d'une perte de sang. Vous les hommes, imaginez 3 jours seulement que nos mamans sont frappées. Comment est notre attitude envers nos mamans? Mais cette femme, elle a 12 ans. Et la Bible dit, elle avait confiance au médecin. Et tous les médecins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré tout ça. La femme a perdu tout son argent, tout son bien. Et la Bible déclare que son état, Marc 5, verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en s'empirant. Écoutez, combien sont dans cet état de cette femme-là, qui sont dans leur maison, qui sont en train d'errer par-ci, par-là, qui ont des milliers d'argent et qui perdent de l'argent comme ça, sans avoir le salut, sans trouver la guérison. Ils sont dans le désespoir. Ils attendent que Dieu vienne prendre leur souffle. Non, ne vous désespérez pas. Cette femme avait fait 12 ans. Et vous aujourd'hui, vous avez fait combien d'années avec votre maladie? Combien de temps comme ça frappé cette maladie? Elle n'avait pas perdu l'espoir. Elle n'avait pas perdu son espoir. Et au verset 12 et 27, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, c'est ce que Luc disait, le royaume des cieux est forcé, et ce sont des violents qui s'en emparent. Elle a entendu parler de Jésus. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle a fait la violence. La Bible dit, Jésus marchait toujours au milieu d'une grande foule de personnes qui l'entouraient derrière lui. Et cette grande foule-là, c'était des hommes. Et cette femme qui a souffert pendant 12 ans, aucun homme ne pouvait lui approcher, il ne pouvait parler à personne, personne ne pouvait l'aider. Mais elle a fait la violence. Elle a fait la violence, elle a bousculé les hommes, elle a bousculé tous ces cas-là. Elle est passée à travers les jambes et les pieds de toute la foule-là jusqu'à Jésus. Et cette femme qui faisait la violence avait une chose, la plus grande, la chose s'appelait la foi. La femme avait la foi. Et la foi en elle, elle se disait, si je puis seulement toucher le bord du vêtement du Seigneur, je serai guéri. Sa foi, elle a mis sa foi en pratique. Et quand elle s'est approchée de Jésus, elle a touché l'habit de Jésus. La Bible dit, aussitôt. Il y a un Dieu qu'on appelle Dieu d'aussitôt. Aussitôt entendu, aussitôt ayant la foi, aussitôt cri en lui, il fait, il agit. La femme de 12 ans s'est vue être guérie instantanément de sa maladie. Jésus qui est omniscient, ayant entendu quelque chose, une puissance sortir de lui, il s'arrête et tourne le dos pour voir les disciples et les apôtres qui le côtoyaient. Il leur pose la question, qui m'a touché? Et tout le monde qui était dans la distraction,
Personne n'a su garder son maître. Aujourd'hui, les gens se confient à des hommes, les grands se confient à des hommes. Je me garde des corps qui me protègent, ceci pour ma sécurité. Non, Jésus est le meilleur garde du corps. Jésus a la meilleure sécurité au ciel. Il s'est gardé, il s'est protégé, il s'est guéri, il s'est transformé. C'est lui seul. Que je lui rends gloire ce matin, bien-aimé. Aussitôt, la femme se vit être découverte et la femme s'approcha de Jésus. La Bible dit, elle a dit ouvertement, elle a déclaré ouvertement, elle a témoigné de tout ce qui était arrivé en lui. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui, Jésus est en quête des hommes et des femmes de la foi. Alors, vous avez la foi? Oui, vous manquez une chose. Quoi? La violence. Cette femme a fait la violence. Elle voit, après avoir entendu, elle n'a pas croisé le bras. Après avoir entendu, elle ne sait pas aller par-ci, par-là, quatre chemins, consulter les gens, consulter un tel, demander le conseil. Elle-même, avec la foi, elle a mis sa foi en pratique, elle est partie, elle a fait violence, elle a trouvé le Seigneur et aussitôt, elle a été guérie de tous ses maux. Bien-aimé, Jésus, sa parole est annoncée. Il reste mon tour, il reste votre tour à faire la violence. Partout où vous êtes, écoutez bien, la Bible dit devant lui, la terre, c'est une gouttelette d'eau dans un seau. Vous pouvez me dire aujourd'hui, je suis en Europe, je suis en Amérique, je suis par-ci, par-là, mais devant lui, ce n'est rien, c'est Dieu très haut. Il voit tout, tous les hommes. Il a créé les fourmis. Il voit même les petits fourmis qui marchent sur la terre. Croyez à sa grandeur, croyez à sa puissance, il est le même. Bien-aimés, je vous remercie d'avoir attendu ce petit message ce matin. Si vous avez la foi à ce message, là où vous êtes, vous pouvez incliner votre tête en bas et je vais faire une courte prière pour vous. Et croyez que ce Jésus est vivant. Il a compassion de vous. Il est compatit à vos douleurs. Il compatit à vos maladies, à vos problèmes. Il est compatissant. Il a versé son sang pour toi, frère. Il a versé son sang pour toi, ma sœur. Et c'est pour toute l'humanité. À vous qui habitez loin, à vous qui habitez près, qu'il a répandu son sang. Il vous aime. Son sang est très puissant jusqu'à aujourd'hui pour nous guérir, pour nous sauver, pour transformer notre vie. Fermons les yeux, nous allons prier. Seigneur, je te rends grâce ce matin de m'avoir donné cette opportunité de parler à ton peuple au travers le monde. Combien sont dans la souffrance et dans la misère. Combien, Seigneur, grincent le dent ce matin. D'autres, Seigneur, sont allés par-ci, par-là. Ils n'ont trouvé aucun soulagement comme cette femme-là. Seigneur, à travers ce message, à travers cette parole, je te prie, Seigneur, quiconque, mon frère, ma sœur, habite en n'importe quel coin du monde, qui a entendu ce message, Seigneur, que tu les touches, Seigneur, que tu étends ta main de compassion, ta main de miséricorde, ta main puissante, Seigneur, les toucher. Quelle que soit la nature de sa maladie, quelle que soit la grandeur de sa maladie, quels que soient les commentaires que le médecin a fait concernant sa maladie, Seigneur, tu es au-dessus de toutes les maladies, tu es au-dessus de tous les commentaires des hommes, tu es omnipuissant, Seigneur, toute la puissance est à toi. Je prie, Seigneur, que la puissance du sang de Jésus puisse descendre maintenant. Touche à ma sœur, touche à mon frère qui sont dans leur maison, dans des hôpitaux, dans des centres de santé, dans des hommes de vieillards. Seigneur, partout se trouvent tes yeux. Scrute le monde, la maison, tu vois le sol et le sous-sol, tu vois les eaux et les sous les eaux, tout ça a été créé par toi. Touche mon frère, puissance du sang de Jésus, puisse le toucher de sa maladie, puisse le toucher de son problème, puisse le toucher dans ses difficultés. Aujourd'hui, Jésus,
Je t'appelle solution de sang. Donne la solution à tous tes enfants qui espèrent à toi, qui ont entendu ce message, qui ont entendu cette parole, qui veulent faire la violence ce matin, car ils ont écouté la parole du royaume de Dieu leur être annoncée. Je le bénis, je bénis toutes les activités, je bénis Seigneur, je prie que la puissance du sang de Jésus puisse régénérer tout un chacun qui a entendu ce message ce matin. Seigneur, ceux qui sont dans l'échec dans leur vie, Seigneur, ceux qui pleurnichent dans leur vie, Seigneur, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes dans des prisons, dans des hôpitaux, d'autres sont dans leur maison, ils n'ont pas d'argent pour aller voir le médecin. Toi, médecin par excellence, je te prie, Seigneur, de les toucher, que la puissance de la régénération puisse le régénérer, et je prie que la puissance de la croix, qui avait dépouillé l'ennemi diable, la puissance du sang de Jésus, je l'ai dépouillé, j'ai dépouillé le diable qui a si longtemps détruit tes enfants, qui a si longtemps corrompu la vie de tes enfants, qui a si longtemps détruit les ailes, détruit les eaux et la terre et tous ses habitants. Il a détruit ta créature par la puissance de la croix de Jésus. Je l'ai détruit aujourd'hui. Seigneur, quiconque attend ce message dans sa maison, à travers les ondes, oh grand Dieu, touche-les et écrase l'ennemi diable qui en veut la sa vie, qui réclame sa vie, que toutes les réclamations soient condamnées dès à présent. Bénis Seigneur tout un chacun qui a entendu ces paroles. Bénis cette radio-télévision. Bénis tous les journalistes, bénis tous les bien-aimés de près ou de loin qui ont occasionné cette circonstance afin que ta voix soit entendue de par le monde. Je bénis toutes leurs activités. Je bénis ce pays, la RTC, en commençant par son président de la République, tout son entourage, le député, le ministre. Qu'il soit béni, Seigneur. Qu'il soit béni. Cette ville de Kinshasa, qu'elle soit bénie, la République démocratique du Congo soit bénie, que ta paix, oh Dieu de paix, prince de la paix, règne dans ce pays, règne dans ce pays, que ce pays soit béni, que ce pays soit béni à travers ce pays, que toute l'Afrique soit bénie et le monde entier, sans oublier Israël de Dieu. Que la paix règne en Israël, que la bénédiction de Dieu se repose dans son Israël. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur de tout ce que tu as fait et tu feras au travers de ta parole et de ma prière ce matin. La gloire te soit rendue au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Dans la foi et la conviction, j'ai ainsi prié et que le bien-aimé là où vous êtes, disons tous ensemble, Amen, Amen, Amen. Au nom de Jésus, recevez votre guérison. Au nom de Jésus, recevez la solution à vos problèmes. Au nom de Jésus, recevez votre délivrance. Au nom de Jésus, recevez votre paix. Au nom de Jésus, soyez restaurés, soyez régénérés, soyez régénérés. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je vous remercie. Merci, bien-aimés. J'espère que vous avez aimé mon message et mon adresse. Je vous prie de pouvoir le partager à vos amis, à vos frères, à vos bien-aimés, partout où ils seront dans tous les coins du monde. Alors, je me nomme, j'avais donné mon nom, pasteur Jean Gundou Wani. Mon numéro de téléphone, 081-0345-113. Je reprends, 081-0345-113. Autre numéro, RTL, 09-98-62-43-06. 09-98-62-43-06. Alors, si vous aimez mon message, partagez-les à mes bien-aimés. Si vous voulez me consulter, consultez-moi à tout moment. Je suis à votre service.
Je vous aime, Jésus vous aime et veut de bonnes choses de votre part. Merci.